Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce petit épisode un peu en dehors, bien sûr, vous savez que le ugly est en pause. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je me dis, tiens, pourquoi pas faire un ugly to beauty, mais pas en legacy cette fois-ci, mais un ugly to beauty normal. Donc voilà, cette charmante jeune fille que nous allons. Oh, oh la vache! Que je vais essayer de relooker et de refaire belle et séduisante pour vous et moi. Je n'ai jamais fait de Ugly to Beauty comme ça, directement dans le créer un sim. Donc ça sera une première. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Donc je vais vous dire. On va déjà. Donc, en fait, le but, si vous savez. Voilà, c'est de pas toucher ici, par exemple pour refaire la bouche, tout ça. Déjà la bouche pour moi, elle est très bien. On a juste un petit problème d'oreille. Là, ça va. Oh! Attendez. Normalement, il y a un truc. Voilà. Là, voilà. La mâchoire, elle revient ici. Est-ce que je fais ça comme ça? En fait, voilà, il faut retoucher comme ça avec les outils que l'on a. Et pas faire. Je crois que c'est. Et pas retoucher directement ici en fait. Voilà. De toute façon, je pense que il y a assez de monde qui le fait pour que vous connaissiez. Oh la vache. Le challenge. Ok. Non, la bouche, elle est bien. Enfin, elle est bien. Ouhou! Non, non. Alors, on va revenir en mode détaillé. Je vais remettre une pupille de taille normale. Voilà. Parce que j'ai déjà recréé, enfin retouché des Sims, mais c'est dans le CS, mais vite fait quoi. Mais pas à ce point des machins dégueulasses quoi. Alors, ce pif, comment je peux arranger ce pif? Je ne sais pas trop. Les oreilles, on peut quand même. Les faire un peu plus grandes, non? Oh, je peux pas. Ok. Je pense que c'est. Parce que ça, c'est vraiment dans le détail. Ah, je commence à retoucher ce nez. Très style Pinocchio. Oh la vache. Mais comment je fais pour réduire la taille du nez? C'est pas possible. On va voir ça comme ça. Est-ce que là. Oui! Ok, j'ai compris. Ça y est, d'accord. Ah oui, mais j'ai pas l'habitude de retoucher comme ça. Donc je vous dis, c'est un. Par contre, elle a la tête. Voilà! C'est ça que je voulais. Ok, bon, elle ressemble déjà plus à un truc. Du genre humanoïde. Des yeux. Enfin, forcément, je vais faire. Voilà, les sourcils comme ça. L'œil. Grand, mais je veux surtout le. Voilà. Le pencher un peu comme ça. Ok. Alors, le nez. Le nez. Il y a aussi, normalement, on peut toucher la tête pour qu'elle soit plus ou moins. En arrière, vous savez. Je sais plus. Voilà, elle a une grosse tête, elle a une petite tête. Préférant ta tête? Non, là, je t'ai remis trop petite. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est un peu. Je suis très concentrée sur ce que je fais. Le petit nez, il est bien, mais en fait. Ah, c'est ça que je voulais. C'était sur le front. Bon, elle n'a pas un beau profil, hein, je vous l'accorde. Mais il y a quand même du mieux, ça devient. Oh. Ça devient de mieux en mieux quand même. Est-ce que tu peux. Ça, c'est ça. Descendre. Ouais, voilà. Et le nez ne me plaît pas. Bon, pourtant, elle a un petit nez tout mignon, mais je sais pas. Ok. Ouais, je suis très concentrée, donc c'est vrai que je parle pas beaucoup. On va peut-être lui faire une bouche un peu plus. Je sais pas du tout ce que je fais en fait. Mais le nez est toujours aussi petit. C'est assez bizarre.
Il y a toujours un grand front. Ah, d'accord, ok. Bon. C'est bien, c'est que je découvre toujours des choses avec les Sims. D'accord, on lui a fait ce nez-là. Et je suis sûre que en faisant... Ah bah non. C'est moi qui ai fait ce nez-là. Pourquoi pas, après tout, hein? Ça me rappellera le nez de ma roi. Voilà, alors un beau petit nez droit. Oh là là. Bon. Elle a l'air plus humaine, là, non, quand même? Est-ce que je lui mettrais pas moins de mâchoire ou... Elle a pas beaucoup de joues. Elle a déjà un aspect un peu plus humain. Ça, c'est sûr. Ouais. Je suis pas fan de son menton. Je vais mettre comme ça. Bon, après, c'est... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je voulais pas faire un truc avec son nez. Non. Je crois qu'elle a pas le plus beau nez du jeu, hein. Voilà, ça peut-être. Ouf, non, pas du tout. Ah non. Pas du tout, tu vas le relever du coup un petit peu. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça les joue. Ok. Je reviens. Le nez, c'est compliqué, hein. Heureusement que je suis pas chirurgienne du nez, hein. Je sais. Non, les sourcils, pour moi, ils sont plutôt pas mal. Peut-être un peu... Ouais, voilà, comme ça. On arrive sur quelque chose. Bon, elle a le nez à la Cléopâtre, un peu, hein. Très, très droit. À la égyptienne. En fait, j'aime pas... Parce que son... Je sais pas. Il y a un truc qui me déplaît, en fait. Ouais, non, c'est fait qu'il soit droit et qu'il y ait une petite boule après. Ça me dérange! Okay, on va faire ça comme ça. Est-ce que tu as un joli petit nez? Est-ce que tu aimes ton joli petit nez maintenant que tu es passé sous mon bistouri virtuel? C'est un peu plus ou moins enfoncé. Est-ce que c'est ça qui va mieux me plaire? Je ne sais pas. Je trouve que non, elle a perdu de son charme par rapport à tout à l'heure. Ok. J'ai toujours un problème avec ce nez, quoi. C'est un truc de fou. Fais voir un peu ta petite bouche. Elle fait un petit sourire quand même. On peut pas plus changer la bouche que ça. Ouais. En fait, j'aurais pas forcément voulu qu'elle ait ça, mais je crois que de base, on peut pas le changer. Oups, non. 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 Chouk. Je ne veux pas de... Bon. Elle a un peu le nez en trompette. Hein. Ouais. Il y a tout le reste encore à taffer. Hein. Tu vas enlever tes fringues. Je suis désolée. Tu vas m'enlever tout ça. Wow. Bon, on va procéder par étapes. On va t'enlever le ventre. On va te relever la poitrine. Là, il y a déjà du mieux. On va t'étoffer un peu. Ouf. On va réduire les mollets. Aïe, aïe, aïe. T'es squelettique, ma belle. Hein. On n'a pas la jauge à côté. Ah oui, donc on doit tout le faire à la main comme ça. Voilà, là, elle a retrouvé des cuisses, elle a retrouvé un peu là. Parce qu'en fait, il faut qu'elle... Oh, elle est très maigre. On va lui mettre un peu de fesses. Bon, elle est déjà mieux gaulée, non? Tipeee, on va les agrandir. Un petit peu plus de mollets, mais légèrement, parce qu'il faudrait pas que... Voilà. Voilà, là, t'es en meilleure santé quand même, mademoiselle. Les bras, ouais. Est-ce qu'il faut... Non, les bras, je vais te les laisser quand même fins. Voilà, c'est ça. Je vais la faire un peu plus droite. Elle est vraiment très très plate. On va lui remettre un petit peu de bidou, mais pas grand-chose, quoi. Juste... Bon. Allez, allez, il y a un truc qui me gêne et vous savez ce que c'est. C'est le nez.
emporter avec ce nez. Je pense qu'au niveau du sourcil, on peut cliquer après juste pour, voilà, pour définir le sourcil que l'on veut. Ouais. Ah, ce nez, c'est pas possible. Hein. C'est la petite boule qui me dérange. Voilà, bah, y a petite boule. Est-ce que tu me plais maintenant? Est-ce que tu peux loucher? Non, mais ça... Ça va, il y a du mieux quand même. On va peut-être lui choisir une couleur d'yeux un peu sympa. Ouais, je sais pas. Mâchoire. Bon, salut. Elle a un petit charme quand même. Non, elle a pas de petit charme. Ouais, j'ai pas vraiment changé. Il y a un truc qui me gêne en fait. C'est le nez, la bouche, la mâchoire. Enfin, je suis pas très satisfaite. Je ne suis point satisfaite de mon expérience. Est-ce que du coup, je fais un visage un peu plus petit, un peu plus poupin, poupin, les fossettes un peu hautes, la bouche. Est-ce qu'on peut t'affiner? Oh! Oh, dis donc, je suis pas contente, hein! Non! Mais non! Mais j'ai jamais dit. Oui, voilà. Ah non, mais là, il est en train de me faire, je sais pas. Je pense que la personne avait choisi le pire nez du jeu, quoi. Ah ouais. Et je m'en sors avec le nez le plus pourri de l'univers, quoi. Ouais. Non, bah, quand même, ça va. Non, il y a du mieux. Là. Elle serait presque mignonne, presque. On va lui trouver une coupe de cheveux sympathique. Alors, évidemment, hein, pas rose. Elle serait presque cute. Après, je trouve que ce marron, il fait vert. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être à force de voir le rose. Là, j'ai l'impression que c'est vert, mais... Ouais, là, pour moi, elle a aucun caractère dans le visage. Qu'est-ce qui pourrait bien t'aller? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà. Ok, c'est bon. Allez, on va juste choisir les cheveux. Non. Alors, je voyais bien, je la voyais bien quelque chose de court, mais je suis pas sûre quoi que quand même. Ah, c'est pas mal ça. Ça met son minois en valeur. Et je trouve qu'avec un petit nez fin comme ça, je sais pas, ça me fait penser, je sais pas, les cheveux. Ouais, en brune, c'est mieux, hein. J'ai l'impression qu'elle louche. J'ai l'impression que tous les personnages avec des yeux verts louchent. Je vais écarter les yeux. Non. Je veux écarter tes yeux. Est-ce qu'on peut pas écarter les yeux? Ok, bon, tant pis. Non, c'est moi ou elle louche? Je sais pas, il y a un petit strabisme qui se crée. Ah, c'est là pour écarter les yeux. Je sais pas. Ou alors, je vais peut-être lui mettre les yeux bleus, ça va plus me faire l'effet. Parce qu'elle va faire des yeux. Des yeux comme ça. Ouais, ça lui va bien. J'aime bien cette coupe-là, finalement. On va partir sur du court encore. Là, non. C'est pas pour autant que je vais la faire. Non. Plus une coupe maxi, comme ça je vous la partage. Non, je trouve qu'elle a du caractère. Non. Ça lui va pas cette coupe-là. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ok, non, on va rester là-dessus. Est-ce que. Je trouve en fait son menton est très gros. Il est pas flatteur pour son visage qui est assez fin. Oh là là, oh là là, la meuf, elle arrête pas de refaire tout quoi. Ouais, avec un peu de maquillage, ça devrait aller. Est-ce que j'ai vraiment enlevé la... J'ai vraiment enlevé la... Ah, c'est pas parce qu'elle a... Non. Hop, ok. Non, bah écoutez, on va passer au maquillage.
On va passer au maquillage. Voilà. Un petit rouge à lèvres. Non, c'est là qu'on voit que ça bouge, ça va pas du tout, quoi. Ça ne va pas! Le petit faux sourire, là. J'ai complètement fucked up la bouche, là. Ça va pas du tout. Ça va pas. Bon. Oui, d'accord, ok. Ok, il y a de l'amélioration. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais continuer de maquiller. Voilà. Quel look va-t-on lui donner? Est-ce qu'elle est vraiment bien foutue? Oui. Il n'y avait pas tant de choses que ça qui n'allait pas sur son corps. Donc on va t'habiller. Quand même, tu vas pas rester en cette tenue-là. Est-ce que je vais te mettre une petite robette pour aller plus vite? Pour tester ta féminité? Oui, puis parce que comme tu as les cheveux courts, je trouve que ça t'irait bien d'avoir un peu de... une robe, tout simplement. J'aime bien ces robes-là en ce moment, je sais pas pourquoi. Et plutôt avec les petites fleurs, c'est trop mignon. Ouais, par contre, ça irait pas avec sa coupe de cheveux. Ok, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. Et ça? Non, non plus. Non, non. Ah. Tiens, on va lui mettre ça. Le pire, c'est que ça lui verra bien en plus. Sauf que c'est un CC. Et ça, ah, ça, c'est pas mal. Ou en bleu. En bleu pour aller avec. Ça jure pas avec ses yeux. Quand elle sourit, elle a quand même un peu bizarre. Hein. Ça, on sent le lifting de la peau. On va te mettre des boucles d'oreilles. Puisque tu as les cheveux courts, donc les boucles d'oreilles, c'est cool. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bah, je pense que tu peux les garder dans cette couleur-là. Voilà, t'es contente. On va te faire un petit collier du coup dans les tons roses ou dorés. Comme ça va bien se marier. J'ai dit rose doré. Ouais, mais là, ça fait bleu. Ça, c'est moche, surtout. Ah! Oh! C'est vrai que j'utilise rarement les colliers. Est-ce qu'en rose comme ça ou en rose comme ça? Ah, rose comme ça, c'est pas mal. Regardez-moi, femme d'affaires. Je m'appelle Ludmilla. Non, elle a un problème avec son nez, quoi. Regardez-la, elle arrête ici, je l'aime pas. Mais je peux pas faire autrement. Et puis si j'avance trop la bouche, là. On dirait un singe. Ah. Non, ça va. Elle est mignonne, elle est mignonne. On va lui mettre des petites chaussures. Évidemment. Tu as ça. Non, je veux juste des talons. Et c'est une femme d'affaires. Voilà. Regardez-moi ça. Classe, toujours, avec un peu de bracelet. Toujours des bracelets. Bien sûr, dans le ton de... Non, elle n'a pas la mettre. La mettre. La montre n'est pas belle. Est-ce que ça peut être joli? Pff, non, c'est pas très classe pour une femme d'affaires. Et puis en même temps, elle a déjà un collier et des trucs. Donc, si on met un bracelet, on met quelque chose de fin, hein, de très fin. Non, dans ce cas-là, on va mettre plutôt noir. Et celui-là, on va l'enlever. Qui est là. Oui, voilà. Non, comment elle pourrait s'appeler? Elle me fait penser à... Je pense à un nom quand je la vois, mais j'arrive pas à me remettre dessus. Irina. Irina Le Grand. Voilà. Je vous présente Irina Le Grand avec une belle poitrine quand même. Hein. J'avais pas fait gaffe, mais... Eh, plutôt une belle poitrine. Ok. La personne s'est donc amusée. À lui mettre du maquillage sur toutes les tenues. On va voir ça. Ouais. Bon, je vais pas relooker tous ces looks. Surtout qu'il y en a, ça va, ça passe. C'est mignon. C'est juste qu'effectivement, elle a chaque fois ce maquillage dégueu. Non, pas forme tête. Je vais. Ok. Je vais... Non, mais non. Je vais y arriver!
Ça que je veux, voilà. Tac. Hop, voilà, ça va plus facile. Donc, Irina Legrand. Voilà. Et on va la reprendre, bien sûr, en mode maquillée, tout ça. Voilà d'où j'ai fini. Et je vais remettre la Sims avec qui j'ai commencé. Bon, voilà d'où on partait et où on est arrivé. Je pense qu'effectivement, il y a du mieux. Alors, regardez, là, elle sourit, elle est contente. Bon, je suis pas 100% satisfaite quand même, hein. Il y a toujours un petit souci avec le nez, tout ça, mais on sent qu'elle a fait une rhinoplastie, quoi, ça c'est sûr, hein. Bon, alors au niveau de... On va quand même lui mettre un truc. Tu vas devenir une femme d'affaires, donc tu veux une maison. Et on peut pas changer tes traits, et ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Irina Legrand, merci de ta contribution, tu es fabuleuse. Moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Ça change d'ordinaire, et puis ça rappelle un peu le Glee en version Legacy que j'ai fait, et qui, je vous rappelle, vous pouvez voter toujours pour, pour voter pour la dernière génération. Donc ça, c'est à voir. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Et aussi, concernant la description, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Utip. Vous pouvez regarder quelques pubs pour me donner un peu quelques centimes qui ne vous coûteront rien à vous, juste votre temps. Et moi, ça m'aidera pour la chaîne. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour les suites des aventures sur ma chaîne. Allez, salut!